en question. Ông chúng tôi đã cảm ơn tôi, cảm ơn các anh chị đã sẵn sàng cả. Nơi tức này, tạm cả lục hiện thì bàn cổng tục. Nâng bàn thăm rãi thì hơi cứ ông chúng tôi đã. Cô là vị trí ca, chúng tôi cùng đồng nàng sắp đến nhá. Mấy miền đọc cả, nông ca tăng thông đô đánh đầu cho bộ xã xây, xã lọt bàn. Ông chúng ta thông bộ cô vị trí ca chung từ đồng nàng tháp đến nhà thông chương. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges et confrères, consœurs. Je voudrais poser une première question au témoin, puisqu'on en était resté à l'examen du document D-267-5-1.1.25. Et hier soir, nous nous étions quittés quand le président avait demandé aux témoins de prendre le temps de ce matin de regarder ce document. Alors, je voudrais tout d'abord poser la question aux témoins de savoir s'il a vu, il a pu regarder ce document et s'il se souvient que ce document lui a été présenté par les enquêteurs des juges d'instruction ou non. Tam, nèsèp enquêt, mò sà sù, ai kè sà ni, ọt bàn khơn tè. Nhóm tập nâng bàn khơi về ni. Monsieur le Président, avant qu'une décision soit prise concernant ce document, il me semble que je pourrais fournir des précisions complémentaires en ayant relu le procès-verbal D-369-36, ce que monsieur le témoin a dit ne pas se savoir, ne pas se souvenir de ce document, mais si vous regardez les questions 61 et 62 de ce document D-369-36, les choses apparaissent relativement claires. Et si vous permettez, et je vais soumettre ça également aux témoins, de pouvoir afficher cette page qui comporte ces deux questions, je pourrais alors aller de l'avant. Je crois que M. le greffier est en train de montrer les pages concernées aux témoins. Mr. President, perhaps the gentleman could inform us which pages they are so we can also look for them. Oui, effectivement, mais ce sont les questions et réponses 61 et 62 dans le document D-369-36. Je crois que c'est plus facile de se référer au numéro de la question et de la réponse que au numéro d'hier. Alors, la question 61 était la suivante. Concernant les réunions d'introspection, je voudrais me référer au document D-267-5-1.1.25, IRN 0042-7859, dans lesquels il est question de l'introspection du camarade Sim. Mais qui était en fait cette personne qui s'appelait Sim? Réponse de monsieur le témoin, Sim était un cuisinier. Il était sous ma responsabilité. De nos jours, il est domicilié dans la province de Siem Reap.
Et suit immédiatement après la question 62, où il est dit, monsieur, est-ce que vous vous souvenez de qui est cette écriture-là? Quelle est la personne qui a écrit ce document en question? Réponse 62, je n'en sais rien du tout. Et puis ensuite, on continue avec d'autres questions qui ont toujours, en réalité, trait à ce même document. Et je pourrais, si c'est nécessaire, donner les numéros d'IRN du document, notamment la question 63, qui parle de 7 services différents au sein de B1, et c'est exactement le même libellé qu'on trouve dans le document. Donc il me semble que la réponse fournie à monsieur à la question 62, je n'en sais rien du tout, est claire. Peut-être que je peux poser la question au témoin. Lorsqu'on vous demande si vous reconnaissez une écriture, est-ce que cela veut dire qu'on vous a montré un document qui était écrit? Pardon, et je précise, écrit à la main. តើឃើញឯកសារនេះទេខ្ញុំឆ្លើយថាអត់បានឃើញទេទៅឃើញនៅពេលនេះនេះសំណួរលោកពេលដែលខ្ញុំគេយកឯកសារមកឲ្យខ្ញុំមើលឯកសារហ្នឹងវាមិនមានឯកសារនេះឯកសារជាសិលឹកមកសិលឹកពីសិលឹកមកសិលឹកពីសិលឹកនោះក៏ខ្ញុំមិនបានថាផ្ដិតមេដៃថាខ្ញុំបានមើលឯកសារនេះហើយក៏ខ្ញុំអត់បានដែរអត់បានផ្ដិតមេដៃដែរដល់យកឯកសារថ្មីមកទៀតខ្ញុំអត់បានឃើញឲ្យខ្ញុំថាឃើញយ៉ាងម៉េចPeut-être pourrez-vous nous dire si les deux pages qu'on vous avait montrées ressemblent aux pages qui se trouvent dans le document qui vous est soumis aujourd'hui? Pernou, bah, tam khnyom cham ne pernou aigasa da oi khnyom khoeng, mon tomrong doch ni te. Hai khnyom ko an ot ban phdat me lai ai tha khnyom ban khoeng aigasa nu dae.Monsieur le Président, avant de poursuivre les questions aux témoins, je voudrais simplement peut-être avoir demandé l'autorisation de développer un peu cette question, de faire référence alors, non pas à seulement les quelques questions que j'avais mentionnées hier, où apparaît le numéro de ce document, mais faire la liste de toutes ces questions qui, effectivement, ont trait à ce document. Et il n'y a pas que D369-36, il y a également les questions 1 et 2 du document D233-9. Et j'y vois une autre raison de soumettre ce document aux témoins, c'est que des questions lui ont été posées et visiblement les documents lui ont été montrés puisque lui-même, dans ses réponses 1 et 2 du document D233-9, pensait que le document est véritablement un document de B1 parce qu'il a reconnu son propre nom ainsi que les interventions de Van à une réunion d'introspection à laquelle il a participé.Et cette réunion d'introspection, c'est également une partie du document qui est soumis aujourd'hui, qui porte à peu près sur une dizaine, une vingtaine de pages, une réunion qui a lieu à B1, une réunion d'introspection. Alors, voilà, je ne sais pas si j'ai l'autorisation d'aller plus loin dans cette démonstration ou si vous c'était à ce moment-ci... prendre une décision là-dessus. Thank you, Mr. President. Perhaps before we go any further, there may be a few questions for precision's sake. Obviously, if you look at the document, D369-36, which the gentleman has pointed to,
There is clear indication that something was shown to him and where he does indicate that he does not recognize the writing. The question then that needs to be posed is whether subsequently, where they make reference to pages, whether those pages were actually shown to the witness or whether they merely indicated to him that in this document, this is what is being told to you. Now, I raise this because obviously it may be a question of credibility. I'm not suggesting that the gentleman, the prosecution that is, cannot go into asking the questions where pages, specific pages were referenced in the interview, but perhaps the confusion may lie in that the document itself was not provided. And why do I say that? Because I see that at least one judge has this look of perplexion. Because if you look at the five documents, the five interviews, you will see often the investigators are saying, what if I were to tell you that there is a document with never showing the document? What if I were to say that a witness says such and such without naming the witness or the statement? So this may be an indication where they did show him the document initially. He said he didn't recognize it. They then proceeded in asking questions, noting which pages, but not necessarily allowing the gentleman to review the document itself, either in whole or in part. I think that's where the confusion may lie. So one technical question, whether he was provided the document itself or pages of the documents on each question that was posed. As I've indicated, I have no objections to questions being asked from pages that were referenced. As far as the earlier one, D233/9, I'm unable to follow the train of thought that the prosecution has alluded to. He's talking about a particular document. I don't know which document he's referring to. I suspect that we're going to go step by step. He's going to be able to identify the document that was actually shown to the witness, and we'll see what happens. But I think one technical matter just needs to be clarified, and then the prosecutor should be entitled to go into the pages that were referenced in this particular document. Thank you. អរគុណលោកមេធាវីសូមអញ្ជើញលោកត្រីមេធាវីមេធាវីអេលីសាបេតស៊ីមូណូហ្វរOui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges. Je voulais simplement faire deux observations sur ce problème qui me paraît assez préoccupant de la production des documents. La première observation tient précisément à ce document-là et à ce qu'a dit Monsieur le Procureur. Dans le document D369/36, il y a une question 61 qui fait référence à ce document, et tout de suite après, la question 62 sur l'écriture. Donc je vois mal comment on pourrait penser qu'il ne s'agit pas de l'écriture de ce document manuscrit. Et je crois qu'il y a deux façons d'établir qu'un témoin a vu un document. Il y a ce qu'il dit, et puis s'il ne se rappelle pas bien, il y a aussi des preuves objectives. Et je pense que la succession de ces deux questions est la preuve qu'il a vu ce document. C'est ma première observation. Ma seconde observation, c'est que votre chambre a pris une décision sur la production des documents qui est une décision qui est préoccupante. Parce que les débats devant votre chambre sont le moyen d'établir la vérité dans ce dossier. Et au cours de ces débats, nous évoquons à la fois des preuves testimoniales et des preuves documentaires. Et il me semble qu'on ne peut pas dissocier la preuve testimoniale et la preuve documentaire, et qu'il est intéressant, dans tous les cas, de pouvoir débattre de documents en même temps qu'on interroge des témoins. Et je m'interroge sur l'opportunité de ne pas pouvoir discuter de documents en présence d'un témoin uniquement parce que celui-ci dit qu'il n'a jamais vu le document. Je pense qu'on peut très bien montrer un document à un témoin. Ça ne veut pas dire qu'il devra faire des suppositions. On peut lui montrer un document qui est une preuve d'un côté et on peut lui demander ce qu'il sait de l'autre côté et croiser ces deux types de preuves.
Mais décider que un document ne peut pas être discuté et montré juste parce que le témoin dit qu'il ne le connaît pas, je pense que c'est se priver de moyens de preuve et je pense que c'est dommage. Merci. Merci, Monsieur le Président. សូមអរគុណលោកប្រធានលោកតំណាងព្រះញ្ញាកម្អល់តនមានយោបល់អីចាំស្ដាប់មេធាវីទិនសូមជួយលោកមេធាវីជាតិការពារក្តីលោកនាងជាសូមគ្រប់អង្គសារកាសូមគ្រប់លោកប្រធាន ការជជែកមិនដល់ពេលនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាសៀតសំទោសព្រិចបិទសាក់សៃបានឆ្លើយដាច់អហង្ការថាលោកអត់បានស្គាល់នៅឯកសារនេះទេ ទាំងព្រះញ្ញាទាំងមេធាវីដែលរងរដ្ឋបព្វនីមិនត្រូវបង្ខំខ្ញុំនិយាយពាក្យមិនត្រូវបង្ខំសាក់សីឲ្យឆ្លើយថាខ្លួនបានឃើញទេវាផ្ទុយគ្នាមើលហើយខ្ញុំសូមឲ្យតុលាការបើកាលណាសាក់សីឆ្លើយថាអត់ទទួលស្គាល់ទេតុលាការបានសម្រេចរួចហើយថានឹងដកឯកសារនឹងចេញ ហើយសូមឲ្យតុលាការសម្រេចទៅតាមការសម្រេចរបស់ខ្លួនតាំងពីពេលមុនមកសូមអរគុណបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅចំពោះមុខនេះវាមានចរិតលក្ខណៈខុសពីអ្វីដែលអង្គជំរះបានអនុវត្តកន្លងមកនៅក្នុងការបង្ហាញឯកសារចំពោះសាក់សីនៅឯកសារថ្មីដែល ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាតើសាក់សីធ្លាប់បានឃើញបានស្គាល់បានជួបប្រទះនៅឯកសារនោះពីមុនពេលដែលសាក់សីត្រូវបានកោះអញ្ជើញមកដល់ទៅខីកម្មផ្ទាល់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះដែរទីប្រសិនបើសាក់សីគាត់ឆ្លើយច្បាស់លាស់ថាមិនដែលធ្លាប់បានទទួលបានស្គាល់បានជួប ឯកសារនោះទីគឺអង្គជំរះសម្រេចដកឯកសារនោះភ្លាមទាំងឯកសាគជាកណ្ដាស់នៅចំពោះមុខសាក់សីក៏ដូចជាការដកចេញពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគឺចេញពីអេក្រង់កុំព្យូទ័រដែរប៉ុន្តែឯកសារនេះវាមានលក្ខណៈចរិតលាយឡែកផ្សេងពីឯកសារទាំងនោះ ដោយសារខាងសហប្រញ្ញាដែលមានបំណងដេញដោលឯកសារនេះគាត់បានផ្អែកទៅលើឯកសារ D369/36 ដែលបានជាកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយដោយអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យចក្រមស៊ើបអង្កេតដែលមានការពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹងការចងអល់បង្ហាញឯកសារនេះចំពោះមុខសាក់សីដែលមានព័ត៌មានសមល្មមជឿបានថាកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៃការស្ដាប់សាក់សីនាពេលនោះគឺទំនងជាមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់បង្ហាញឯកសារនេះនៅចំពោះមុខសាក់សីនៅក្នុងការដេញដោលទៅលើខ្លឹមសារនៃសំណួរចម្លើយដែលមានដែលចងអល់បង្ហាញដោយ តំណាងសហប្រជាញាអមិញមិញនេះហើយនៅក្នុងកំណត់ហេតុនេះមាន 4 ចំណុចដែលបានយោងចងអល់ទៅ ឯកសារ D267/5/1.1.25 ដែលកំពុងតែមានបញ្ហានេះបញ្ហាដែលកើតឡើងត្រង់ថាឯកសារមួយដុំដែលជាកំណត់ដៃដែល អាងនៅក្នុងសំណុំរឿងថាជាកំណត់ហេតុដែលយកបានពីក្រសួង
ក៏បរទេសសម័យនោះយកមកនេះគឺវាមិនបានបង្ហាញជូនទៅសាក់សីនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនឹងទាំងស្រុងទេមានតែទំព័រមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយវិធីដែលការបង្ហាញនេះគឺត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងកម្រិតពីរទីមួយគឺបង្ហាញទាំងមូលបើអត់ទេគឺទីពីរគឺបង្ហាញនៅទំព័រជាក់លាក់ដែលមាននៅក្នុងកំណត់ហេតុនេះ ដើម្បីឲ្យជាក់ច្បាស់ថាតើបញ្ហានឹងវាមានមែនឬក៏អត់ហើយបើនៅតែអត់ទេអានោះយើងនឹងដំណើរការទៅមុខទៀតពីព្រោះគោបំណងខ្លឹមសារនៃមែនដេញដោលតែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេគឺខ្លឹមដេញដោលទៅលើខ្លឹមសារនៃបញ្ហាដែលមានកត់ត្រានៅក្នុងលើទំព័រដែលយកមកដេញដោលនោះឯងសំណួរនោះសំណួរមិនចប់ត្រឹមថាឃើញទំព័រនឹង ដែលឬអត់ឃើញចប់ដំណឹងហ្នឹងឯងសួរទំនួលផ្សេងទៀតមិនអញ្ចឹងទេវាសំខាន់ຕົកទៅដល់បញ្ហាដែលមាននៅក្នុងកំណត់ត្រានៅក្នុងទំព័រដែលមានការពាក់ព័ន្ធនេះអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺត្រូវតែច្បាស់លាស់បញ្ហាហ្នឹងដើម្បីឲ្យទៅមុខទៀតលោកតំណាងសហប្រញ្ញាអាចសួរបញ្ជាក់បានថាជាថ្មីម្ដងទៀតឬក៏បញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យបានច្បាស់លាស់លើដំណោះស្រាយ គឺឲ្យបានច្បាស់លាស់លើសាក់សីចំពោះការដែលគាត់បានដឹងថាតើឯកសាររួមទាំងដុំហ្នឹងគាត់គេបានឲ្យគាត់ដែរឬទេបើគាត់ឆ្លើយអត់ទេត្រូវសួរភាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំព័រនីមួយៗដែលយើងបួនសំណួរនៅក្នុងឯកសារនេះដើម្បីឲ្យគាត់បង្ហាញថាតើនៅក្នុងសំណួរដែលគាត់គេសួរហ្នឹងគាត់មិនបានបង្ហាញទំព័រនីមួយៗហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យសាក់សីបានឃើញទេ ដើម្បីឲ្យសាក់សីឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលបានសួរដោយអ្នកស៊ើបអង្កេតនេះដើម្បីអង្គជំនះសម្រេចសម្រេចថាម៉េចប្រសិនបើនៅតែដោះស្រាយមិនបានទៅទៅមុខទៀត តំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិ Merci monsieur le président, je vais essayer d'être relativement clair. Et je vais partir du document D369-36. Tout d'abord, il y a cette question 52. Cette question 52 porte mention de ce document et d'une page précise IRN. Et il s'agit de l'IRN en Khmer 0042-78-26. C'était une question qui portait sur le comité de direction du ministère des Affaires étrangères. Et il y a été répondu. En anglais, ce sont les pages 0000-32-50-51. Il n'y a pas de traduction française de cet extrait du document D267-5-1. Je vais poursuivre alors pour chaque question. Pour la question 53, il est dit dans la question dans le même document et à la même page. Donc c'est de nouveau le même document et la même page que je viens de citer. Même chose pour la question 54, qui est question de suivi par rapport au contenu de ce document. Concernant la question 55, il n'est pas mentionné exactement la page d'IRN, mais il fait référence à une catégorie de personnes considérées comme incorrigibles et vous trouverez ces termes dans la page 0042-78-25 en Khmer, en français 0065-78-29 et en anglais 4x0-32-49. Pour ce qui concerne la question 56, dans l'intitulé de la question, il est très clair. On parle d'un congrès du 10 juillet 1976. Et il y a toute une section du document D267-5-1.1.25 qui concerne
Ce congrès, sous un titre très clair, Congrès ou Assemblée générale, le titre exact, Assemblée du ministère de B1, 10 juillet 1976. C'est toute une section qui parle de cette Assemblée générale et qui part des pages 0042-78-28 en Khmer jusqu'à 0042-78-57. Presque 30 pages qui parlent de ce congrès. En anglais, 4x0-32-51 jusqu'à 32-72. Et en français, c'est beaucoup plus compliqué à déterminer, mais c'est 0, ça commence à 0-0. លោកតំណាងថាប្រេញ្ញាលឿនអ្នកបកប្រែបកប្រែមិនទាន់ទេលោកអាចនិយាយឡើងវិញអញ្ចឹងការឲ្យពេលវេលាលោកហ្នឹងគឺលោកមិនបានប្រើពេលវេលាហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពទេការសុំបន្ថែមពេលវេលាគួរតែពេលវេលាដែលសុំបន្ថែមហ្នឹងប្រើប្រាស់យ៉ាងណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតឥឡូវនិយាយឡើងវិញ Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi pour cela. Donc, les pages concernant ce congrès tenu le 10 juillet 1976 en Khmer sont 0042-78-28 jusqu'à 0042-78-57. En anglais, 4x0-32-51 jusqu'à 32-72. Et en français, 0065-78-31. Malheureusement, en français, les pages ne se suivent pas. Alors, plus spécifiquement, dans cette question 56, il était question des traîtres et du contrôle de la biographie du personnel. Et là, il s'agit des pages très précises. En Khmer, 0042-78-44, toujours dans les 30 pages dont j'ai parlé tout à l'heure. En anglais, 0000-32-62, et en français, 0065-79-91. J'ai cité tout à l'heure les questions 61 et 62. La question 61, on cite explicitement la page en Khmer 0042-78-59, ce qui correspond en anglais à 4x0-32-72-73, et en français 0065-79-84. La question 62 est celle qui parle de l'écriture qui a été montrée à monsieur le témoin. Concernant la question 63, il est dit selon les documents dans cette question, au sein de B1, on a divisé le travail en 7 services différents. L'éducation, les plantations, le bureau, la politique, le protocole, le secrétariat et l'aviation civile. Vous retrouvez ces 7 services différents dans le document que j'ai soumis. En Khmer 0042-78-49, en anglais 4x0-32-67 et en français 0065-79-89. Quant à la question 65, là, dans la question même, on fait référence à la page en Khmer 0042-79-49. Il y a une erreur dans le libellé ou dans la transcription, disons, de la déclaration, parce que ce n'est pas 78-49, mais bien 79-49.
Oui. En anglais, c'est la page 4x0-33-36. Il n'y a pas de traduction française. Question 67. Là, il s'agit de discuter des effectifs à Shreng Chamray. Et vous retrouverez les données qui font l'objet de cette question à la page Khmer 00-42-79-28, en français 00-65-78-91, et en anglais 4x0-33-21. Alors, pour la question 68, il s'agit pratiquement de la même page et elle se poursuit alors sur la page suivante. Question 70, il y a question d'ennemis récalcitrants envoyés au centre de sécurité. Le contenu est similaire à la page en Khmer 00-42-79-41. Sous le titre 1, qui concerne des types de disputes ou d'antagonisme, et en anglais, 4x0-33-31. Et alors j'en viens à l'autre document, D233-9, et aux questions 1 et 2 qui ont été posées aux témoins. Et vous allez comprendre ce que je disais tout à l'heure, plus précisément concernant les réunions d'introspection. Il me semble qu'il faudra que je lise quelques extraits. Les références ne sont pas citées dans ces deux questions à ce document. Mais quand vous les lisez, tout indique qu'il s'agit bien d'une partie de document qui a été montré aux témoins, une partie de document D267-5-1.1.25 qui parle de la réunion d'introspection et de toute critique tenue en décembre 76. Et c'est une section qui s'étend des pages 00-42-79-07 en Khmer jusqu'à 00-42-79-27, à peu près 20 pages. En anglais, c'est 4x0-33-04 jusqu'à 33-20. Et en français, c'est 00-65-78-75, mais là encore, les pages sont mélangées, donc il est difficile de donner tous les numéros directs. Alors, peut-être le passage le plus intéressant, c'est la réponse 1. Quand monsieur le témoin dit, je pense que ce document se réfère véritablement à une réunion qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. Il y a un détail qui confirme ce que j'ai affirmé, c'est le nom du camarade Hong. Et la traduction est malheureuse, il est dit « me donnant des conseils ». En fait, ce n'est pas tout à fait ça, je crois qu'en anglais c'est plus clair, on comprend que c'est le camarade Van, dont il est question avant, qui donne des conseils au camarade Hong. Et le témoin poursuit, il dit, en effet, il a vraiment existé. Donc, quand il dit il, c'est le document. Ce document fait état d'une réunion qui a eu lieu entre l'année 75 et l'année 78, car durant cette période, les réunions ont toutes été l'objet de procès-verbaux. Alors, quand vous regardez cela, plus le passage que je viens de citer, de mentionner dans le document qui lui est soumis, c'est 20 pages concernant la réunion d'introspection, vous comprenez exactement que, effectivement, les noms du camarade Van et camarade Hong apparaissent, que le camarade Hong et d'autres camarades, comme le camarade Chim, etc., font leur autocritique, et puis le camarade Van fait une conclusion, en tire des conclusions ou donne des conseils. Je crois que la réponse qui avait été donnée
par les témoins dans cette réponse 1 est vraiment clair quand il dit « Je pense que ce document se réfère véritablement à une réunion qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. Je ne pense pas que le document ait pu ne pas lui être montré, étant donné ce qu'il note et également comme il constate lui-même que son nom apparaît dans le document. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et dernière chose, à la question de ce document D233-9, il est encore posé la question, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la personne qui a écrit à la main ce procès-verbal? Et nous avons la réponse. Selon moi, la personne qui a écrit ce procès-verbal pouvait être, et il cite quatre noms, quatre possibilités, Sosei, Sun Sikun, ou bien encore M. In Sopip, ou encore ça pouvait être Ban Kiet Chun également. Je ne crois pas non plus que pour cette section, il ait pu donner des noms sans avoir regardé le document ni l'écriture de qui était dessus. Voilà ce que je peux dire concernant les différentes sections et pages qui me semblent ont pu être montrées aux témoins lors de ces différentes auditions. Je vous remercie, M. le Président. អរគុណហើយលោកមិនសួរជាក់លាក់តែម្ដងទៅថាតើសាក់សីយ៉ាងម៉េចដែរសួរបញ្ជាក់ទៅថាឯកសារដែលលោកបានបង្ហាញរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃសហជីវកម្មស៊ើបអង្កេតបានយោងបានផ្អែកជាមូលដ្ឋានក្នុងការសួរដេញដោលណា Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, concernant notamment cette réunion portant sur l'autocritique où le nom du camarade Hong et du camarade Van et du camarade Chin apparaissent, est-ce que vous vous souvenez si les enquêteurs vous ont montré ce document? ជម្រាបម្ដងទៀតដំបូងលោកសួរថាបានឃើញឯកសារនឹងទេខ្ញុំបានឆ្លើយថាឯកសារម្ដុំនេះខ្ញុំមិនបានឃើញទេខ្ញុំទឹកតែនឹងឃើញពេលនេះឯកសារដែលតុលាការសើបអង្កេតដែលផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនេះគឺមានពីរបីសន្លឹក ពីរបីសន្លឹកនោះខ្ញុំបានប្រាប់ថានេះឯកសារនេះចុងក្រោយឯកសារចុងក្រោយខ្ញុំបានប្រាប់ថាតើលោកចាំអក្សរលើឯកសារនេះជាអក្សររបស់អ្នកណាខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែឯកសារពីរសន្លឹកដែលតុលាការសើបអង្កេតឲ្យខ្ញុំជាចុងក្រោយនោះពីរសន្លឹកមែន ខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយខ្ញុំមើលក្នុងនេះឯកសារពីរសន្លឹកហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ឃើញនយោឯកសារផ្សេងមកឲ្យខ្ញុំមើលហើយអាពីឯកសារពីរសន្លឹកហ្នឹងដែលខ្ញុំបានឃើញនោះក៏អត់បានប្តិតមេដៃទៀតអត់ឲ្យខ្ញុំមើលឃើញទៀតអានេះឲ្យបានតែខ្ញុំពិបាកឆ្លើយបើខ្ញុំឆ្លើយអញ្ចឹងទៅ Je vais encore essayer une question, Monsieur le Président.
Je vous ai demandé, Monsieur le témoin, de me dire si une section de ce document aurait pu vous être montrée, puisque vous semblez dans le procès-verbal d'édition reconnaître à la fois le nom du camarade Hong, le nom du camarade Pan et le nom du camarade Chim tel qu'il apparaît sur le document. Alors, peut-être pourriez-vous regarder la page entière 00 42 79 14, qui est une des pages concernant cette réunion autocratique. Et vous pourrez me dire si vous l'avez vu. Could we have the corresponding numbers for the rest of us who may wish to follow this proceedings? Pardon, en anglais, la page est 4x0 33 10, et en français 00 65 79 50. Mr. President, I'm talking about the document itself that they're showing here. Now, are they showing the gentleman his statement, or are they showing him a page from the document which they are attempting to introduce? I don't know what's going on here. Because in the statement of 233/9, and I note there was a European investigator at the time, who says, I will show you this document, and there's no number to the document, there's no page reference to the document. So what is being shown to the witness, so the rest of us can follow along, which calls into question, you know, the quality of the investigation, never mentioning what the document is. សូមអរគុណលោកមេធាវីមៃឃែលកាណាវ៉ាសូមដំណើរសាព្រេងអន្តរជាតិបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណឯកសារឬក៏ទំព័រឲ្យបានជាក់ច្បាស់ជាពីរភាសាឬជាបីភាសាដែលយើងបានយកមកប្រើប្រាស់និងបាននឹងកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការ ដោះស្រាយរឿងក្តីនេះតាំងពីដើមរហូតមកយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបញ្ហានេះពីព្រោះភាគីដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺមានប្រើប្រាស់3ភាសាមានខ្មែរមានអង់គ្លេសហើយនិងមានបារាំងជាវាងបញ្ហាហ្នឹងតដែលហ្នឹងគឺគួរតែត្រូវបានចងចាំហើយអនុវត្តរបៀបតដែលនេះនិយាយតែម្ដងគឺអាចចាំរហូតដល់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងរឿងក្តីនេះចប់តែម្ដង. Oui, Monsieur le Président, les pages ou la page en clair que je voulais montrer, dont j'ai donné la référence, il s'agit en réalité d'un passage qui est intitulé Commentaire du camarade Hong. Et en anglais, en fait, j'ai parlé de 4x0, 33, 10, ça commence à 33, 9, et cela se poursuit jusque 33, 10. En les pages qui vont suivre, si Monsieur le témoin les tourne, comportent un titre à la page 00 42 79 14, en anglais donc 4x0 33 10, et en français 00 65 79 50. Là, cela comporte un titre qui est Commentaire du camarade Van
pour aider le camarade Hong. Une précision peut-être en français, parce que là, les choses sont compliquées. Les commentaires du camarade Hong se trouvent sur la page 0065-78-81 et les commentaires du camarade Van sur la page 0065-79-50. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est concernant ces pages particulières, est-ce que ces pages-là ont été montrées par les enquêteurs lors de son audition? Je vous dis avoir reconnu certains noms lorsque il semble que ce document aurait pu être montré. បាទឯកសារនេះអត់បានបង្ហាញឲ្យខ្ញុំដឹងទេខ្ញុំទៅនឹងដឹងពេលនេះដែរហើយឯកសារនេះទៀតខ្ញុំស្គាល់តែឈ្មោះខ្ញុំមួយហើយខ្ញុំមិនមែនសរសេរដោយខ្លួនឯងទៀតឈ្មោះសមមិត្តហុងមតិពាក់ព័ន្ធរបស់សមមិត្តហុងខ្លឹមសារទាំងអស់នេះខ្ញុំបដិសេធ Monsieur le Président, j'ai l'impression de tourner un peu en rond, ce qui fait que je vais m'en remettre à la Chambre concernant cette décision, vu que le temps passe et que j'aimerais pouvoir avancer avec d'autres questions. ហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចបន្តទៅចោតសំណួរផ្សេងទៀតបានសាក់សីពិនិត្យឯកសារចំនួន4នេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទទួលយកឯកសារនេះទៅជូនសាក់សីពិនិត្យតាមលំដាប់លេខរៀងដូចនេះទៅ សាក់សីនៅអាចចងចាំបានទេថាឯកសារទាំង 4 ទំព័រដែលយើងបានដាក់ជូនលោកពិនិត្យអមាញ់មិញនេះលោកចងចាំទេថាលោកបានធ្លាប់បានឃើញឬក៏លោកត្រូវបានអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃសហជីវកម្មស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងឡុងពេលស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកនៅដំណាក់កាលនោះតើគេបានបង្ហាញចំពោះលោកដែរឬទេនៅក្នុង ខណៈពេលដែលគេសួរចម្លើយលោកនោះនៅក្នុងការសួរចម្លើយនោះបានយកឯកសារឲ្យខ្ញុំពី3សន្លឹកប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅឃើញថាដូចជាមិនមាននៅក្នុងឯកសារទាំង4នេះទេខ្ញុំការចងចាំនឹងគឺអញ្ចឹងបានយកមកឲ្យខ្ញុំ ហើយខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងទេអសរពីណាទេខ្ញុំបានជម្រាបលោកអញ្ចឹងបាទបាទអរគុណណាស់ជាការពិតណាស់ដែលលោកបានឆ្លើយយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងកំណត់ហេតុដែលស្ដាប់ទៅខ្ញុំកម្មលោកនៅក្នុងឡុងពេលស៊ើបអង្កេតដោយអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហជីវកម្មស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងឯកសារ D364 ថាលោកមិនស្គាល់អ្នកសរសេរទេមិនដឹងថាណានាទេបាទគឺលោកបានជាក់ច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែឯកសារនៅក្នុងចំណោមឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានឯកសារ4នេះដែលសំណួរគេពាក់ព័ន្ធ
dùng chẳng ôl tay mà đong bạn đây thá nơi bê đề kì dùng cho ôl bằng hai giờ biếm đi tùm đông chí nè sư bằng kê nước kia bằng hai ai cả xa bán chế kê giờ xế nước nông ca bằng hai ai cả xa chị cho bác nước nông sầm nua tay mà đong ủ thì hò mà những cái sầm nua tha tam ai cả xa đi vì rồi học sầm bơ sạch pram sạch môi cho nhập hay pram yêu ân sôn sôn sai sập bi chật sập bầm bay sai sầm bún thân nạn đặc nom của xuống miền văn chia lệ kha hong chia nụ lệ kha rươn vén nâng chiêm chia sẩm mai chức ta lục yol yang na rajana tham pon nít tham trai đại tử tì lục tham chấm lái thạc ban tham trai còn tai rajana tham pon cha nên đi còn tai ở kết đại lục tha kết bảy há dương nhẹ chỉ pi nhẹ chỉ pi bảy há trong tha ai nhẹ sụm kết ai lực ai cả xa tiếng mũ xua lục phần tay miền tay chấm nói buôn tầm po phần nọ đại quạt bàn dùng chạy chắc ba hơi bàn đặt bánh hà nu cứ nơi khăn ông tầm po nu nơi khăn ông sầm nua để quạt xua đại trong dương bàn đại chun lục bình đất đi còn ở miền ca tròn trăm bản năng đấy thì ở trong đăng rương hà khâm xa chẳng mấy gì ta miền chẳng mấy thế bánh hà buôn tầm po này nhôm sông bánh chè thà ai cả xa đại dục ở nhôm mơ nắng mình men ai cả xa tiếng buồn ni tê vấn đề lời ní ai cả xa tiếng buồn ní tự mình đừng khơi ai cả chọn chăm rập bọc nhôm viền miên là chân na sầm quan chung mua nhôm chung mua ai dạng đôi chân em men gặp vấn đề ca đại thà khlâm xa đại sở xê ní kì ta xê giang mấy giang mấy khi nhóm ọt bàn cao cho nó nóng kì ọt ọt bàn mưu tê rồi khi nhóm mình thì nia khi nhóm mình thì nia tha kì ta xê nâng trâm trời tam tam chùm nông rồi bọc khi nhóm đại ni tê rồi chân ấy việc khi nhóm ca ấy đại ọt khi nhóm thì nia nó bàn khi nhóm prui yeah, bàn khi nhóm prui nâng nè chả lời tớ chê tha ta tuôn hơi nhân tớ nhóm khó ấy bì prua mình đăng kí ta xe giang mách nè ta xe nó kia ọt ọt nhóm mưa phóng ọt ọt nhóm đặt mệt lại phóng kí ta xe tới cho nó kí ta xe tới cái vô ta tục tử hơi vô ta đi ca ọt thân ạ lừa tử nhóm bộ kí ta xe khó nó nhóm có ngọp tử ai mình ca phôn cho lòng bần tây và nhà hà đại ông nhóm rè mình bầm nông đại cả xa bằng hai ni thà bà sân bà lục thọ khơi phụ ai cả xa ní mình mến chị ai cả xa đây tôi sẽ đầy lục tì tôi sẽ đầy lẹp xây tiên chân bà sân bà lục thọ khơi thọ đắng hay thọ bàn trợ bàn đánh đau nơi đồng nạ ca môn môn đôi chìa nẹ thử một kết chân cứ còn đôi chìa mù lột than nông ca bằng to ca đánh đau to tờ tiết ai lưu ai cả xa ní bằng nó mình mến miền này thá ôi tờ lục tờ tuôn khó trớ lưu khlâm xa đè tốc nơi nông ai cả xa nụ tê vì phụ ai cả xa nụ mến chi ai cả xa lại lục xê tê nâng ấy hay bà lục tà xê có ông nhầm đây mình ảnh nhá mình đồng rơi ai lục tà tua khó trời đây nên mình tua khó trời tê còn ta chia mù lực thán nông cá đánh đáo bà to bà nọ lục môn trời bà lạc á dọc ai cả xa buồn tâm phò mình một bính chia bà to ông nhầm đây xong nhầm điệp lục đồng năng thạp rị nhà tha ấy lần này khi tha quật plech mình chọn chạm tí còn tại phải lưu mù lột than này sầm nuôi chầm lái để ban thưa ruồi hơi đời nhà sầm kết đại miền được không thằng rướng lúc ai tăng sầm nuôi tu từ vẽ phòn đang pành hà nút chấm pua xạ xây Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, hier, vous nous aviez dit que lors des réunions AB1, il n'y avait pas, en fait, de réunion qui réunissait à la fois les intellectuels d'un côté et les personnes
qui était sous votre responsabilité plutôt du côté de la production qui venait de classe paysanne. Mais avez-vous participé à des assemblées du ministère, à des congrès qui étaient organisés au ministère sous la présidence de Yeng Sari? Pouvez-vous nous dire, par rapport à ces assemblées, qui était présent? Est-ce que tous les cadres étaient présents, ou tous les membres du ministère de B1, quelle catégorie de personnes y participaient? Merci. Est-ce que vous vous souvenez d'une assemblée générale qui aurait été tenue durant le mois de juillet 1976? Chaque fois qu'il y avait une assemblée générale, combien de jours est-ce que cela pouvait durer? Vous avez parfois voyagé, vous avez dit, mais à peu près à combien d'assemblées générales avez-vous assisté au ministère des Affaires étrangères entre avril 1975 et janvier 1979? Plus ou moins. Oui, je voulais savoir à combien de réunions de ce type, c'est-à-dire d'assemblées du ministère, de congrès du ministère, vous avez participé entre avril 1975 et janvier 1979, même si vous avez mentionné juste avant que parfois vous n'étiez pas là. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du chiffre du nombre d'assemblées générales qui auraient été tenues durant cette période et qui auraient été présidées par Yeng Sari? Est-ce que vers le mois de juillet 1976, y a-t-il eu une vague d'arrestations au ministère des Affaires étrangères? Bat khnyom ot cham thngai te.
đừng tập mà chập Vous souvenez-vous des motifs de ces arrestations? Donc ma question était de savoir pourquoi y avait-il eu des arrestations massives de gens à ce moment-là, vers le mois de juillet 1976. Tam chậm lại nhóm ní nhóm mò pin nứt trung tre thom ní cứ tu trang bát tê mình men khnông bò mùi trang mùi tê bạt Oui, j'entends bien, d'accord. À B1 et à l'échelle du pays, pouvez-vous nous donner, disons, les motifs ou les raisons de ces arrestations massives, si vous le connaissez? Je ne sais pas si vous le connaissez. Việt Nam can tại bốc kia châu mò Phnom Penh hơi. Sầm núa. Et quelles étaient les conséquences de cette attaque des Vietnamiens? Bị bạn này cả về phần Việt Nam. Est-ce que vous voulez dire qu'il y avait des arrestations en lien avec cette attaque des Vietnamiens? Khnyom mon dang yang na te. Khnyom dang ruom. Tam poramien yothia. Dal ke mau pi prum dan ke tha mau kia kia hai. Vai khnia khlang na nau prum daen khnyom dang ta pan dang te Est-ce qu'on recherchait des espions vietnamiens à cette époque au sein de différents ministères rakam vietnam nau khnong kasuang no ta mien ka svai ni rok tam chap acharakam no te ខ្ញុំ បាន និយាយ ពី ម្សិល មិញ ហើយ ខ្ញុំ អត់ អ្នក ជំនាញ ខាង នឹង ទេ ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ អប់រំ បង ប្អូន ប្រយ័ត្ន ប្រយែង នៅ ឲ្យ ស្ងៀម កុំ តាក់ទង រហូត រហូត ពី ព្រោះ គេ ប្រយ័ត្ន ប្រយែង ទូ ទៅ ណាស់ Merci. Lors d'une de ces assemblées du ministère auxquelles vous avez assisté. Avez-vous jamais entendu Ning Sari dire que le pays trahissait, était rongé à raison de 1 à 5 %?
Que dès lors il fallait suivre à la trace les réunions d'introspection. L'avez-vous entendu dire cela? ពាក្យពេចន៍អតនីខ្ញុំអត់ចាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាំជារួមថាឲ្យត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នបដិវត្តឲ្យខ្ពស់កុំឲ្យដបទីក្នុងយើងនេះខូចទឹកចិត្តរវើរវាយអំពីទស្សនៈស្នេហាជាតិខ្ញុំយល់តែប៉ុណ្្នឹង Être ultra vigilant dans la section de la sécurité, dans le bureau de sécurité de B1, est-ce que cela voulait dire découvrir les ennemis qui rongeaient de l'intérieur, par exemple? Vous souvenez-vous, monsieur le témoin, d'un épisode où deux filles auraient été trouvées en train de mener des opérations de trahison dans le ministère? Je me base toujours sur le document que je n'ai pas pu montrer, monsieur le président. Est-ce que vous avez entendu dire Ce type de réunion a-t-il été dit que dans la section des intellectuels, il manquait de cadres de la classe paysanne ou de la classe ouvrière pour rééquilibrer cette section? ខ្ញុំអត់ចាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំលឺថាត្រូវតែទៅមុខទៀតត្រូវតែបង្រៀនកុមារកូនអ្នកក្រីក្រឲ្យចេះធ្វើការងារដោយបញ្ញាជន Est-ce que vous connaissez le camarade Moon? Je prononce mal, donc ce sera Moon. Je vais l'appeler M-O-E-U-N, qui travaillait au ministère des Affaires étrangères. Pet A.
Je ne connais pas le sexe de cette personne, mais apparemment c'est un cadre du ministère. Si vous vous souvenez des différents cadres du ministère, pouvez-vous me dire s'il y avait quelqu'un qui s'appelait Meun? Est-ce que monsieur le témoin, lors des réunions d'introspection, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était chargé de prendre des notes de ce que les différents cadres disaient quand ils s'autocritiquaient et aussi des observations, des conclusions qui étaient faites par Yingsari à la fin, comme vous nous l'avez dit hier? Est-ce qu'il y avait des notes qui étaient prises? ឯកសារមានការកត់ត្រាខ្លះអត់មានការកត់ត្រាទេ Qui était chargé d'écrire ces comptes rendus en général au sein du ministère des Affaires étrangères pour ces réunions précises d'autocritique? ក្នុងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំស្វ័យទិទាននេះអត់មានកំណត់នោណាមួយទេគឺអ្នកណាគាត់បានបណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងហើយទុកដាក់ខ្លួនគេទៅ Mais vous venez de me dire qu'il y avait des comptes rendus qui étaient rédigés de certaines réunions. J'entendais des comptes rendus qui pourraient être partagés avec les différents participants à cette réunion. Est-ce qu'il y avait des comptes rendus, par exemple, tapés à la machine de ces réunions? ដូចជាប្រជុំទៅបរទេសសន្តរកថាអីផ្សេងផ្សេងក្នុងក្រសួងផ្នែកបរទេសគេកត់ត្រាជាសំខាន់ឯផ្នែកខ្ញុំនេះខាងជីវភាពឯនេះអត់ទេអត់មានកត់ត្រាអីជាសំខាន់ទេបាទ Est-ce qu'il a jamais été dit lors des assemblées générales ou des grandes réunions, comme vous dites, est-ce qu'il n'y a jamais eu des cadres qui ont rapporté le fait que la population avait faim, que c'était la famine? À quelle période cela a-t-il été rapporté pour la première fois? Je ne sais pas si je peux dire ça, Monsieur le Président, mais dans le document qui n'a pas pu être présenté, il était question dès 1976. Est-ce que vous avez entendu des cadres en parler d'une façon ou d'une autre à ce moment-là et pas uniquement en 1978?
Est-ce que vous avez compris la question, monsieur le témoin? Lok sa sai ta lok yol samnuo khnyom da rete. Som mdaong tiet. Est-ce que un ou plusieurs cadres en 1976, lors de réunions au ministère des Affaires étrangères, avaient déjà fait part de leur inquiétude du fait que la population n'avait rien à manger? Est-ce que vous auriez entendu cela déjà en 1976 et non pas comme vous l'aviez dit juste maintenant, vers septembre, octobre 1978? បញ្ហានេះការអត់ឃ្លានជាទូទៅគឺអត់ឃ្លានហើយសង្គ្រាមប៉ុន្តែការដែលមិនអនុវត្តនយោបាយរបស់បកកលែងខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនអត់ឃ្លានផ្នែកមូលដ្ឋានគេរាយការណ៍ខ្ញុំមិនដឹងទេ ចំពោះខ្ញុំមករាយការណ៍ខ្ញុំមិនសូវធ្លាប់ដើរដល់ខ្ញុំដើរទៅឃើញខ្ញុំច្រើនទៅនៅមន្ទីរដល់ដើរទៅឃើញខ្ញុំក៏រាយការណ៍ដែររាយការណ៍ហ្នឹងកំណត់ហេតុជាថ្ងៃជាខែដូចខ្ញុំជម្រាបហើយ Merci monsieur le témoin. Vous avez souvent visité vous-même les campagnes du Kampuchea démocratique entre avril 1975 et 1979. Pouvez-vous nous dire à quelles occasions vous êtes allé sur le terrain? Merci. Je vais vous dire à quelles occasions vous êtes allé sur le terrain. ពាក្យទស្សនកិច្ចខ្ញុំមិនមានទេពេលនោះមានតែធ្វើការងារប៉ុន្តែខ្ញុំបានជូនភ្ញៀវខ្លះៗភ្ញៀវតូចតាចភ្ញៀវជាកសែតយាយអីហ្នឹងដល់ទៅប្រជាជនចេះតែមកប្រាប់ខ្ញុំថាមានកម្មាភិបាលធ្វើបាបអីលិចឯកោតអីហ្នឹងទៅខ្ញុំកលែងខ្លះក៏អត់ À partir de quelle année avez-vous accompagné des délégations étrangères qui étaient, elles, en visite au pays et donc vous avez peut-être voyagé à l'intérieur du pays? À partir de quelle année sous le régime du Kampuchea démocratique? ខ្ញុំមិនចាំដំណើរខ្ញុំប្រមាណដងទេប៉ុន្តែមួយឆ្នាំមិនក៏មានពីរដងដែរជូនភ្ញៀវបាទ Donc deux par année, vous voulez dire, à partir de 1975 ou plus tard? ចាប់តាំងពីមានភ្ញៀវមកដល់ស្រុកចូលមកបោះទីតាំងនៅស្រុកជាទូតជាអីហ្នឹងបាទ Est-ce que vous avez accompagné des délégations étrangères chinoises dans le pays? Et à peu près à quelle époque? ខ្ញុំអត់មានដែលបានជូនប្រតិភូចិនទេក្រោយពីនោះខ្ញុំជូន
Pouvez-vous nous donner les nationalités des délégations que vous avez accompagnées durant la période du Cambodge démocratique? Peut-être pas toutes, mais quelques nationalités de ces délégations? Est-ce que vous avez aussi accompagné une délégation belge qui venait de l'association de l'amitié belgo-cambodgienne? Est-ce qu'à cette occasion, à la fin des visites des délégations, il vous arrivait de vous rendre avec le AK1 pour rencontrer Pol Pot? Est-ce que vous avez accompagné aussi une délégation laotienne qui était venue au pays en 1977, si je me souviens bien? Monsieur le Président, je voudrais simplement montrer quelques photos qui pourront nous éclairer. Il s'agit de nouveaux documents, enfin documents qu'on a mis au dossier en avril l'année dernière. Alors la première photo que je voudrais montrer, c'est P00513636. Et peut-être qu'on peut montrer les trois en même temps aux témoins. La deuxième photo, il s'agit de P00513532. Et enfin, la troisième, P00513420. Je vais demander l'autorisation de les projeter à l'écran et de les montrer aux témoins en copie papier. Alors, je vais commencer par la première photo. Si vous prenez, monsieur le témoin, la photo 00513612, voilà, elle est affichée à l'écran. Pouvez-vous nous dire qui vous reconnaissez sur cette photo en commençant par la droite? ទី 1 ខ្ញុំឃើញដូចជាក៏មិនសូវច្បាស់ដែរទេប្រហែលជាបងយើងសារីនៅខាងក្រោយគេនោះ 1 2 3 មកក៏មិនសូវច្បាស់ដែរប៉ុន្តែប្រហែលបងនួនជា
ban ma muk ni ma ban bong khieu sampon ban chbas ta pan nang te ba chbas hai nang pahael. Est-ce que vous vous reconnaissez sur cette photo également? Ta lok skwal rup lok ptoal neu leu rup thot nih dai ru te. Đôi chị khmien rụ khnhom tê, pêl nu khnhom nẹ tự tu bài tửng, khmien pêl hay màu tên này tê bà. Qui est ce grand, élégant jeune homme tout à fait sur la droite, dont le corps est malheureusement coupé par la photo? Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Je ne sais pas si vous avez une personne. Alors peut-être la deuxième photo, si vous pouvez nous décrire où cela peut avoir eu lieu, c'est la photo P00515592. Donc on voit des personnes qui descendent des marches. Est-ce que vous reconnaissez des personnes du gouvernement cambodgien et également de la délégation étrangère qui était en visite? ខ្ញុំប្រតិភូដែលមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសខ្មែរប្រតិភូឡើយនេះខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះហើយបន្ទាប់ពីនេះមកខ្ញុំស្គាល់តែបងខៀវសំផនក្រោយមកទៀតវាមិនសូវច្បាស់ខ្ញុំ Savez-vous où la photo a pu être prise? S'agissant d'une délégation étrangère, au vu de la photo, qu'est-ce que cela pourrait être comme moment? Peut-être simplement, mais très rapidement, la troisième photo, toujours prise avec les mêmes personnages, il me semble, P00515420. Si on peut la projeter, reconnaissez-vous l'endroit où cette photo officielle a été prise? Il s'agit apparemment d'une grande maison. Est-ce qu'il s'agit toujours bien de la visite de la délégation laotienne? Et est-ce que vous reconnaissez des membres du gouvernement ou des cadres du gouvernement démocratique sur cette photo? ក្រោយពីនឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេមើលអត់ច្បាស់មិនដឹងនរណាអូមានម្នាក់ទៀត
ខ្ញុំទេពេលនោះខ្ញុំអ្នកខាងស្រីបងយើងទីរិទ្ធបងយុនយ៉ាតអេនរីម្នាក់នេះទៀតខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់ដែរ La personne qui est à côté de la troisième femme sur cette photo, est-ce que c'est vous? Un serviteur sur une photo officielle, monsieur le témoin, vous êtes sûr? ពេលនោះគឺគេប្រមូលអ្នកខ្ញុំយល់ថាគេប្រមូលអ្នកដែលធ្វើការនៅជុំនឹងខ្ញុំពិបាកពន្យល់ណាស់ គឺថាពេលនោះអ្វីៗស្មើគ្នាទាំងអស់ណាមានភារកិច្ចសន្តិសុខគឺមិនអាចមកអញ្ចឹងបានទេដូចខ្ញុំខាងសន្តិសុខអត់មកឈរអញ្ចឹងបានទេប៉ុន្តែមានតំណៈធំដូច្នេះបែបមានប្រតិភូអីគេចង់ថាអូអ្នកបំរើមកថតអីជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងគេស្មើភាពគ្នា Merci. Merci. Concernant cette délégation laotienne qui est venue au Cambodge, est-ce que M. Yeng Sari les a accompagnés sur le terrain? Est-ce qu'il était là à Siem Reap? Et peut-être de manière plus générale, est-ce que vous savez si Yeng Sari accompagnait parfois des délégations importantes sur le terrain au Cambodge? Oui, merci. Thank you, Mr. President, Your Honors. Last week we saw vigorous objections coming from the prosecution and from the civil parties where there were compound questions. And this is a three-part question, particularly the last part. If we're going to keep a clean record and we know exactly what the witness is answering to, part one, part two, or part three of the question, I suggest that we break it down into simple one fact per question. Thank you. Merci, oui, c'est une bonne idée. Je voyais l'heure qui tournait et je me disais que la pause allait arriver. Donc je vais répondre simplement en coupant la question. Est-ce que lorsque vous êtes allé à Siem Reap avec cette délégation laotienne, est-ce que le ministre Yeng Sari était là aussi? Pardon, vous aviez dit effectivement Lorsque vous étiez à Kampong Som, alors j'en viens à une question plus générale. Est-ce qu'il est arrivé à M. Yeng Sari d'accompagner des délégations importantes
notamment lorsqu'il s'agissait de ministres ou de chefs d'État étrangers sur le terrain au Cambodge entre avril 1975 et janvier 1979. Mais il recevait des délégations. D'accord. Est-ce qu'il allait sur le terrain? C'est ça la question. Quand il allait sur le terrain, merci, Monsieur le Président. Je vois que l'heure a avancé, il est 10h40. Est-ce que c'est un moment important pour faire une pause? Je vais vous parler de la pause. ហើយនឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងប្លោះទៅខែកម្មវិញរួមជាមួយនឹងមេធាវីប្រឹក្សារបស់គាត់នៅវិលីមម៉ោង11សូមអញ្ជើញលោកមេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពលោកស្រីចៅក្រមដោយសារបញ្ហាសុខភាពហើយដែលលោកអៀងសេរីពិបាកក្នុងការបន្តអង្គុយនៅទីនេះលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះសម្រាប់មួយថ្ងៃនេះពេញតែម្ដង ប៉ុន្តែសូមចូលរួមសកម្មភាពពីបន្ទប់រងចាំខាងក្រោមអាស្រ័យនេះសូមលោកប្រធានមេត្តាពិចារណានិងសម្រេចតាមសំណាសូមអរគុណបាទអរគុណអង្គុយចុះបាទស្ដាប់សំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតអ៊ីនទ្រីដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈវិធីការពីក្រីបកតស្នើសុំលះបង់សិទ្ធចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចសម្ដែងការសម្ដែងការក្នុងបន្ទប់សម្ដែងការនេះដោយបន្តតាមដានកិច្ចសម្ដែងការសម្ដែងការពីចម្ងាយតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ពីបន្ទប់ សម្រាប់អំឡុងពេលសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះដោយបញ្ហាមូលហេតុសុខភាពអង្គជំរះសម្រាប់យល់ព្រមតាមដំណើរសុំរបស់ជនរដ្ឋអ៊ីងសេរីដែលបានស្នើសុំតាមរយៈមេធាវីបកគាត់សូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចសម្ដែងការសម្ដែងការក្នុងបន្ទប់សម្ដែងការនេះដោយទើបបន្តតាមដានកិច្ចសម្ដែងការសម្ដែងការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមបន្ទប់សម្ដែងការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់ដំណើរការសម្ដែងការ ពេញមួយថ្ងៃនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ចប់សម្រាប់ការនៅពេលរសៀលតែក្រុមមេធាវីការពារក្តីត្រូវបកគលមកអង្គជំរះភ្លាមនៅលិខិតលះបង់សិទ្ធចូលរួមសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពរបស់លោកអៀងសេរីប្រកបឲ្យផ្នែកសត្វទោះជាប់ប្រព័ន្ធសត្វទោះសម្រាប់ជនជាប់ចោតរូបនេះអាចតាមដានកិច្ចសម្ដែងការសម្ដែងការពីចម្ងាយសម្រាប់កិច្ចសម្ដែងការសម្ដែងការជាបន្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយប្រកបឲ្យនរៈវិធីឃុំឃាំង នាំខ្លួនជនជាប់ចោតអ៊ីងសេរីទៅកាន់បន្ទប់ខាងក្រោមដែលមានរៀបចំទុកជាស្រេចឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតរូបនេះអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចសម្ដែងការសម្ដែងការពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រុមជួយ